Hey, c'est tout le monde, c'est Atomania. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode de Zelda Majora's Mask. Et donc, dans cet épisode, on va tenter de se rendre sans doute sur vers la route du château d'Ikana. Hein? Mais là-bas. Oula! Non! Aidez-moi! Allez! Plus il reste longtemps. Voilà. Éloigne-toi de chez nous, mon père n'est pas mort entre vous. Ok. On va essayer d'aller par là. La fontaine des fées. Ok, pourquoi pas. Ça c'est bon, tiens. Voilà. Ah ça va, un cœur. Ça devrait aller. Et oui, j'ai commencé à tourner les épisodes de Zelda The Wind Waker. Donc faudra peut-être pas prendre son temps pour terminer Majora's Mask. Donc voilà. Oula. Le petit freeze qu'il y a eu. Taïa, alors. Aouh. Je crois pas qu'il faut aller là. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai eu peur, hein. Il faisait tout noir. Alors. Puis il est en train d'interdire en raison de l'apparition de fantômes. Et ça, c'est intéressant. Y'a rien d'autre? Allez! Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, maintenant c'est un endroit qui sert de refuge. Ceux qui cherchent un adversaire supérieur à leur force trouveront l'ultime défi. Sous la forme d'un groupe d'esprits mort dans d'atroces douleurs. Alors essaye de sauver ces âmes souffrantes. Mais tu dois payer le montant de 30 rubis. Si j'ai pas 30 rubis, je veux que 20 rubis. Désolé. Grotte d'eau de printemps. Voilà, c'est là qu'il faut aller. Que viens-tu chercher dans le royaume des Kana, pays où seuls subsistent les ombres de la nuit? Ah oui, Pokémon Crystal devrait arriver samedi, normalement. Samedi à 14h. Alors, ce n'est pas un endroit pour être gorgé de vie comme toi. Peut-être es-tu venu pour gonfler les rangs des défunts. Quoi qu'il en soit ainsi, Si c'est ta volonté, alors la mélodie de Diaz, le grand compositeur, te plongera dans le sommeil froid et glacé du royaume des ombres. Tu veux nous rejoindre?
connais pas. Vite, courons. Attendez, faut faire quoi? Alors, je ne peux pas le voir, mais je sens comme une sorte d'appel du sang, une présence étrange. Je crois que tu as un masque qui permet d'appeler ce qui cache dans les ombres. Ouais, le masque garou. Ok. Maître, ordonne, j'obéirai. Voilà. Je tire ma révérence en ouvrant mon SGS. Au sommet de la colline Kala, aucune présence humaine n'ose s'aventurer, sauf un père et sa fille qui vivent dans le moulin. Défiance et méfiance sont tes compagnons. Mourir sans laisser de traces, telle est la voie des carreaux. Ok. Ici. Non. On sera obligé d'aller par là. Dans le château. De toute façon, je fais toujours couper l'épisode en deux. Voilà. Ah non, c'est la forteresse de pierre ici. C'est pas là que je voulais aller. Hop. Voilà, c'est ici. Vestige du château. Voilà. Ok. Merci. Taya. Alors, maître. Allez. Alors, mais pourquoi? Eh, vous avez vu, il est sorti. Voilà. Voilà qui est regrettable. Je tiens ma révérence en ouvrant mon esprit et mon cœur. La sagesse s'échappe de mes lèvres. Toutes les deux minutes, la fille vivant dans le moulin à musique sort pour chercher quelque chose. Mais aussi longtemps que les esprits hantent cet endroit, elle n'ose rester longtemps à l'extérieur. Mourir sans esprit. Attendez, j'ai le masque de pierre. Il me voit pas. Il me voit pas. Il est pas censé me voir. Il y a l'autre qui a traversé le plancher. Allez, dégage toi. Toi aussi dégage. Voilà. Ouais, oh, je t'ai eu.
C'est bon, ils sont tous partis. Tout chez nous, on ne perd pas l'endroit entre vous. Une fois, je crois qu'on a un verre là. Ah non. Voyez. Chez nous, vous perdez pas l'un d'entre vous. Peut-être faire ça. Je sais pas. Comme cet épisode ne sert à rien. Comment il faut faire déjà? Chant des poneurs, chant de l'apaisement, chant du temps, sonnette de l'éveil, berceuse des gorons, la bassa nova des flots. Ta. Non, c'est. Ta. Nanana. Ta. Nanana. Na. Na. Ta. Nanana. Voilà. Non, c'est pas ça. Tous les coups. Alors, ligne-toi chez nous. Ne perdez pas l'un d'entre vous. Bon, je regarderai la solution, au pire. Alors attendez, ah mais est-ce que les pierres Tchaïka, là, hein, peuvent nous être utiles? Il y en a une ici, par là, par là. Alors, la pierre potin réagit au masque et vous répond. Ses paroles secrètes résonnent dans votre tête. Pamela, la petite fille qui vit dans le moulin à musique, sort toutes les deux minutes quand le moulin marche.
Mais elle sort aussi si elle entend une bombe exploser. Alors je sais pas si elle est sourde, mais j'ai fait exploser des bombes. Hein, Alors, je vais la poser. Et regardez, j'ai fait exploser une bombe, elle est pas venue. Hein. Charger un état. C'est bien une bombe. Hein. Tant pis. Hein. Alors si un temps une bombe a explosé, mais je lance des bombes, mais elle avait pas entendu. Alors, la pierre potente réagit masque. Alors, quand le moulin marche, elle sort aussi quand elle entend une bombe exploser. Voilà. Mais non, mais je l'ai jeté. Voilà, bah elle est sourde, c'est pas possible. Je vais la poser. Hop. Juste devant sa porte. Mais regarde, elle sort pas. J'en essaie une dernière fois. Et viens là, toi. Hop, posé. Voilà. Moi, je réessaye. On va réessayer là. On va essayer ici. Elle sort pas, tant pis. Donc bah moi je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. À mon compte Twitter également, laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde.